tranquille. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, ben, actuellement il caille, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon écharpe et puis il fait très froid. Et là, je voulais vous faire une petite vidéo dans un cadre idyllique, un cadre qui sort de l'ordinaire. Voilà, comme ça vous pouvez un peu admirer ma ville. Et je voulais vous faire une vidéo qui est pour moi quand même dans l'air du temps et importante. C'est à l'heure actuelle, les gens sont devenus encore plus stressés qu'avant. Les gens sont devenus irritables, stressés, fatigués, ils en ont marre. C'est vrai que la conjoncture actuelle n'apporte pas, comme on dit, du bon dans les épinards. C'est vrai que la conjoncture actuelle est vraiment difficile. C'est vrai que nous souffrons. C'est vrai qu'il y a l'inflation. Mais ça ne sert à rien d'être stressé dans la vie. Ça ne sert à rien de se prendre la tête et de se rajouter encore des problèmes de santé. Stress égale problème de cœur, égale fatigue, égale énervement. En plus de ça, on emmerde les gens qui sont autour de nous. On emmerde aussi, excusez-moi du terme, mais on emmerde aussi sa compagne, sa conjointe, son compagne. Ça ne sert à rien. La vie, elle est difficile, c'est vrai. Il faut essayer de trouver des solutions pour améliorer son quotidien, pour améliorer sa vie. Et les solutions qu'on a, c'est de manifester. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Voilà, les lois changent. Ne sont plus aux avantages des citoyens, malheureusement, mais c'est comme ça. Et voilà, donc essayons de vivre notre vie du mieux que l'on peut. Manger, se faire plaisir quand on peut, bien entendu, vivre dans les moyens que l'on peut, essayer de partir quelques jours en vacances si on peut, ou bien si on ne peut pas, économiser pour partir en vacances, profiter avec sa famille, passer des bons moments. Mais ça ne sert à rien de se stresser. Aujourd'hui, j'étais en train de boire un café en terrasse et j'ai vu un monsieur qui s'est énervé parce qu'il y avait un livreur en face de lui qui travaillait. Le monsieur lui a dit « Ouais, dépêchez-vous, le gars il travaille. Pourquoi je vais me stresser, je vais m'énerver, il ne va pas rester même pas 5 minutes. » Et en plus de ça, il n'y avait même pas de place pour se garer, place attitrée livreur. Les gens sont devenus très stressés, c'est pas bon. C'est pas bon. Prenez soin de vous. Essayez de vivre du mieux que vous pouvez. Essayez de travailler comme vous pouvez. Même si la vie elle est chère, même si l'inflation est là, il faut essayer d'y passer outre. Sinon, c'est la santé qui prend un coup. Alors prenez soin de votre santé. C'était Kim. Abonnez-vous à ma chaîne. Et encore, désolé si je n'étais pas là ces derniers temps, mais j'avais quelques petits soucis de santé. Mais je suis de retour. Je n'oublie pas mes abonnés fidèles. Je n'oublie pas mes abonnés. Surtout, prenez soin de vous. Couvrez-vous bien, surtout. Et c'était Kim. Peace.